Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs. Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Nous sommes présentement à la mi-avril. Comme vous avez vu dans les images précédentes, il fait pas beau, il fait froid. Puis la pêche débute dans 2 semaines environ. Donc on s'en vient bientôt en espérant qu'il y a une grande vague de chaleur qui va arriver au Québec. J'ai vraiment hâte. Puis aujourd'hui, j'avais un sujet en tête, c'est de vous parler des différents leurre de surface qu'on a dans les magasins ici. Quand on se promène dans une allée de magasins, il y a plusieurs leurres de surface, puis il y en a de différentes formes, longueurs, avec des plumes, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous les différencier, puis je vais donner les points importants sur chacun. Donc bon visionnement, j'espère que vous allez bien aimer. Puis si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Moi, ça me donne l'idée que mes sujets que j'aborde, au moins, sont intéressants. Donc, bon visionnement, c'est parti. Pour débuter avec le premier leurre de surface, je vais vous parler du fameux popper. Le popper, il y en a plusieurs compagnies qui en font, des couleurs différentes, des longueurs. Je vais vous le montrer. Les voici, les voilà. C'est vraiment un très très bon leurre. Vous en avez peut-être sûrement dans vos coffres parce que c'est très connu. Les hameçons d'un popper sont souvent exposés, donc c'est pas un leurre anti-herbe. Quand vous voyez beaucoup de végétation, c'est pas un leurre à lancer directement à l'intérieur de la végétation parce que sinon vous allez être pris, vous allez avoir plein d'algues, plein de petites choses comme ça sur votre leurre. C'est pas un leurre à lancer là. C'est vraiment un leurre pour lancer à l'entour des quais, des arbres tombés dans l'eau, pour vraiment déclencher une attache chez le poisson. Puis, vraiment, moi, qu'est-ce que j'aime du popper, c'est l'action qu'il va avoir, parce que c'est vraiment une action à l'avant du leurre. Il y a toujours un encaveur à l'intérieur d'un popper, puis il va y avoir toujours une grosse bulle d'eau qui va se produire. Quand vous l'amenez avec votre fil, moi, j'utilise du monofilament. Le monofilament, ça a une bonne élasticité. Donc, quand vous ramenez votre leurre avec des saccades, ben le popper va suivre, puis va toujours émettre une grande bulle d'eau. Donc, ça va mettre beaucoup de densité dans l'eau. Le poisson va être intrigué, puis il va venir l'attaquer. Donc, très bon leurre. Achetez une petite bouche, achetez une grande bouche, brochet. On peut faire du masquinongé, puis plein d'autres espèces aussi. Mais c'est un très bon leurre, très connu aussi. Il y a souvent une plume à la fin pour venir donner un profil plus dense, puis plus naturel aussi à ce leurre-là. Donc, je le conseille. Cette année, je vais en essayer plusieurs de différentes compagnies. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis faire des belles images avec ça. Je vous présente le deuxième leurre maintenant. On va parler de grenouilles. Ça, c'est un leurre très connu, mais aussi très, très bon. Donc, j'en parle à l'instant. En deuxième, comme je vous ai dit, on va parler de grenouilles. Les grenouilles, c'est super polyvalent. C'est vraiment un leurre très intéressant à pêcher. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à leurre de surface, je pense aux grenouilles parce que c'est un leurre anti-herbe. On n'a pas peur de le lancer dans les gros herbiers, puis il se faufile bien dans la végétation quand on le ramène. Je pêche souvent ce leurre-là avec du fil tressé parce que un fil tressé aussi de 40 livres environ parce que quand le poisson prend mon leurre, puis il va nager au fond de la végétation, puis moi, je dois faire un ferrage puis le ramener. Des fois, je ramène beaucoup, beaucoup d'algues. Donc, des fois, avoir le fil le plus résistant possible avec un bas diamètre, c'est très, très bon. Et une grenouille, un bon petit truc que j'aime aussi quand je pêche ces leurres-là, je viens trimer. Je viens seulement couper la moitié des pattes environ à l'arrière pour que quand le poisson va venir attaquer mon leurre, il va avoir plus de chances de prendre les hameçons dans sa bouche puis être capable de le ferrer, bien sûr, parce qu'on manque beaucoup de poissons aux grenouilles. Puis c'est normal, ça fait partie de cette pêche-là, mais il faut être patient. Quand vous voyez votre leurre, vous voyez un bouillon, vous voyez votre poisson arriver sur votre grenouille, prenez votre temps, prenez 2-3 secondes et faites un bon ferrage. Des fois, on ferre trop vite puis la grenouille sort totalement de la gueule du poisson. Donc, un leurre super polyvalent à pêcher, il y a plein de sortes et c'est pas obligé d'être une grenouille comme ça ici, c'en est une. Et ici, on a une belle imitation aussi d'un crapet soleil, donc très très bon. Puis, cette année, je vais avoir la chance aussi de pêcher plein de styles de grenouilles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on pourra prendre comme poisson cette année. Puis, je vous parle d'un autre leurre très intéressant en troisième. Un autre leurre qui peut être très utile quand on pêche en surface, qu'on soit en rivière, en lac, en fleuve, puis on peut être dans une baie, dans une structure rocheuse ou même dans un afflux de courant, c'est vraiment un buzz bait. Un buzz bait, là, ça va couvrir beaucoup d'eau, ça émet énormément de vibrations, puis c'est très turbulent. C'est vraiment une petite hélice avec une broche en métal comme un spinnerbait, puis une jupe. Oh, j'en ai enlevé. Une jupe de couleur pour y mettre vraiment une bonne densité dans l'eau. Ça va rester totalement en surface puis ça va se promener très rapidement. Puis on va le récupérer avec aucune pause. On va simplement le récupérer comme ça serait un crankbait, disons. Vraiment une récupération du point A au point B. Puis c'est très très bon. J'adore ça, pêcher ça
dans toutes les situations possibles, en dessous des arbres surtout, on peut aller pêcher vraiment quand on lance un lancer précis en dessous d'un arbre, on peut être proche d'un quai. Les poissons, surtout les brochets, on en prend beaucoup avec des boss bait, des achigans à grande bouche aussi. J'ai vu pas mal de poissons venir mordre ça l'heure là, mais puis même une fois j'avais une bonne expérience, j'étais proche d'une structure rocheuse, j'ai lancé mon boss bait vraiment à l'opposé, puis j'ai vu un brochet vraiment se diriger directement à mon boss bait tellement qu'il émettait de vibrations dans l'eau. Donc très bon leurre, je vous le suggère. Puis on va passer à un autre type parce qu'il y en a tellement, mais faut pas oublier le boss bait, c'en est un très bon. Même pour la chicane petite bouche en surface, c'est un walking bait. Un walking bait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des leurres faites en long avec une grosse bille à l'arrière. Quand on dit walking, c'est un mot anglais pour dire marcher. Puis un walking bait, ça a une marche vraiment précise, on va la nommer la marche du chien. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre lancer avec le leurre et vous allez le ramener, le leurre va marcher de gauche à droite dans l'eau. Puis c'est ça qui va émettre beaucoup de turbulence, le poisson va mettre ses yeux dans les airs et va voir toute cette vibration-là, puis quand il va faire un bon visuel sur le leurre, il va venir l'attaquer. Puis les achigans petites bouches ont même pas peur de venir attaquer des gros leurres comme ça, j'ai été assez surpris. Très bon leurre de surface, il faut éviter de le lancer dans les gros herbiers, mais proche des lignes d'herbe ou des quais, des branches, tout ce que je vous disais tantôt par rapport au popper. Très bon leurre, puis on va passer aux derniers leurres qui sont des leurres bonbons comme je dirais. Pour terminer la vidéo, je vais vous parler de mes leurres bonbons. C'est des leurres de surface qui sont vraiment différents des autres. Ils sont beaucoup plus réalistes, ils émettent beaucoup plus de vibrations aussi et ils fonctionnent vraiment. Mais j'ai jamais eu la chance de faire des vidéos avec ceux-là. Je m'en ai acheté beaucoup aussi cette année qui s'en viennent par la poste bientôt. Puis ça va être vraiment intéressant de faire des petits concours avec des gens pour voir si ça fonctionne, prendre des gros poissons avec des leurres similaires à celui-ci, comme un canard, la compagnie de Savage Gear. Ici, j'ai un pompadour. Un pompadour, c'est une imitation d'un insecte, ou ça peut être un canard, quelque chose du genre. Puis c'est des leurres vraiment qui sont très le fun à regarder. On voudrait les mettre dans notre chambre sur une tablette. Mais cette année, ils s'en vont à l'eau, ils vont prendre du poisson. Puis j'ai vraiment hâte de pêcher avec des leurres comme ceux-là. Ici, j'ai même une face de singe. Vous allez me dire c'est quoi, mais je vous garde le meilleur pour la suite. Et puis, on va se revoir très très bientôt sur un autre épisode de Raven vs Bass, comme d'habitude. Et puis, il faut pas se décourager, la mauvaise température s'en va bientôt. J'ai vraiment hâte d'aller pêcher, je pense que vous aussi. Donc, on se croise les doigts, on prépare nos cannes à pêche et on regarde le prochain épisode de Raven vs Bass très très bientôt. À la prochaine tout le monde. Dans les endroits où il y a vraiment peu d'eau, puis là, oh my god, j'ai vraiment tout le paquet de leurre.